Vendredi 3 mai 2019, l'Éternel nous fait la grâce de nous retrouver en cette fin de semaine. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur Canal Vim Kwega. La mobilité urbaine est au cœur des préoccupations du conseil municipal de Ouagadougou. Ce matin, il s'est tenu un atelier à l'hôtel de ville de la capitale burkinabé, un atelier de validation du rapport diagnostique de l'étude d'élaboration du plan de circulation dans le centre-ville de Ouagadougou. Un atelier tenu sous la houlette du maire central de la ville de Ouagadougou. Le reportage est signé Samuel Wangré et Odetta Zangena. Évaluée à 3 millions d'habitants, la population de la commune de Ouagadougou fait face à un sérieux problème de mobilité urbaine. Et pour y pallier, le gouvernement a initié le projet de transport et de développement des infrastructures urbaines, lequel projet est placé prioritairement dans le programme de mandat du conseil municipal 2016-2021. Aujourd'hui, les acteurs concernés par le dit projet se réunissent au cours de cet atelier pour valider le rapport diagnostique de l'étude d'élaboration du plan de circulation et de stationnement dans le centre-ville de Ouagadougou. Tous les jours, les citoyens se plaignent du fait que la mobilité est devenue leur principale préoccupation. Pour se déplacer d'un point à l'autre, surtout quand on rentre dans l'hyper-centre-ville, c'est devenu un véritable calvaire. Mais on ne peut pas prendre de décision à la hâte parce qu'il y a un problème. Il faut diagnostiquer le problème et trouver des solutions durables. C'est pourquoi, grâce à l'appui du gouvernement et de la Banque mondiale, nous avons posé cette préoccupation et il y a un cabinet d'études qui a été retenu pour nous faire l'étude du plan de circulation de l'hyper-centre-ville. Et cette étude, on ne peut pas apprendre les résultats et l'appliquer tout de suite sans impliquer les acteurs. Donc l'atelier, c'est d'appeler tous les acteurs, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, les transporteurs, les différents maires d'arrondissement, les associations de sécurité routière, tous les acteurs, pour leur montrer le résultat auquel nous avons abouti et la proposition qui est faite pour un nouveau plan de circulation dans l'hyper-centre-ville de Ouagadougou. Pour l'entreprise chargée de l'étude du projet, l'objectivité doit prévaloir avant toute autre chose. Ce qui est important, dans un premier temps, c'est effectivement de pouvoir asseoir les décisions politiques qui seront prises sur des données objectives qui permettent de comprendre comment se passent les choses aujourd'hui en matière de stationnement et de circulation, quelles sont les difficultés, et vous savez qu'il y en a. Donc l'objectif de l'étude, c'est de classifier ces différentes difficultés par secteur, puisque le centre-ville a été décomposé en cinq secteurs principaux, le cœur de ville et les parties nord, sud, avec la ZACA, est et ouest. Donc les analyses qui sont présentées dans le cadre du rapport de diagnostic détaillent la situation dans chacun de ces secteurs. L'amendement de ce rapport, suivi de sa mise en œuvre effective, devait permettre de résoudre les problèmes de stationnement des véhicules dans le centre-ville et par la même occasion développer les projets structurants tels la modernisation des transports collectifs. Et puis à l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, chaque premier dimanche du mois de mai est consacré à l'association des servantes de Christ AEC. Moment d'action de grâce, l'AEC utilise cette journée pour mener diverses activités dans les assemblées locales. La commémoration de cette année revêt un cachet particulier car elle coïncide avec les 40 ans de vie de la structure. À 48 heures de la célébration, nous avons tendu notre micro à la présidente de l'AEC du Burkina Faso. Elle nous livre son message à l'endroit de ses sœurs du Burkina Faso. Au micro de Moïse Kinda et de Théodore Yamiou. C'est une année d'action de grâce, une année de louange et d'adoration envers notre Dieu, parce qu'il nous a gardés, il nous a gardés au sein de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso 40 ans durant. Et nous avons œuvré aux côtés de nos responsables spirituels pendant 40 ans. C'est pour cela que nous voulons lui rendre toute la gloire, bénir son Saint-Nom, exalter et magnifier le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Je voudrais dire encore merci à nos responsables spirituels de nous avoir permis d'œuvrer pendant 40 ans à leur côté. Nous voulons leur dire merci pour leur conseil, pour leur accompagnement. Nous voulons leur dire merci pour les prières montées vers l'Éternel pour nous. C'est cela qui nous a fait réussir. Ce sont leurs conseils, leur accompagnement qui nous ont amenés jusque-là. Et nous voulons leur dire grand merci. À tous les niveaux, national, région, sous-région et même les pasteurs des églises locales, nous voyons leur accompagnement et nous apprécions cela à sa juste valeur. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Notre souhait est que le Saint-Esprit continue de les inspirer, de leur donner le courage et leur donner aussi la patience de nous supporter. En tant que femme, ce n'est pas facile de supporter une femme, mais nous voyons qu'à tous les niveaux, nous avons leur accompagnement, que toute la gloire revienne à l'Éternel, parce que c'est l'Éternel qui leur donne ce vouloir et ce faire. Nous voulons dire merci à toutes les femmes. Je dis nous parce que je parle à mon propre nom et au nom de tout le bureau national. Nous voulons dire merci à toutes ces femmes-là qui ont œuvré 40 ans pour que l'ASS soit ce qu'elle est aujourd'hui. Chacune de son côté s'est vraiment donnée. Si nous voyons l'exemple du 40e anniversaire, c'est la gloire à l'Éternel. Parce que chacune voulait faire quelque chose pour le roi des rois, pour le seigneur des seigneurs. Ce n'était pas pour les membres du bureau, mais c'est pour leur père qui est dans les cieux. Et nous voulons leur dire merci. Merci pour tout ce qu'elles font au niveau local, sous-région, région et même national. Il y a des femmes au niveau des conseils qui nous accompagnent. Que l'Éternel, comme nous avons l'habitude de le dire, les bénissent richement, bénissent leur famille et bénissent leur descendance au nom de Jésus. Notre souhait est que chacune continue de se donner dans cette association. C'est un cadre bien approprié pour la femme. Et comme quelques-uns ont l'habitude de le dire, si l'ASC n'était pas là, il fallait la créer, l'organisation des femmes. Donc c'est un cadre que Dieu a donné pour que la femme puisse s'exprimer. Nous voulons demander à toutes ces femmes-là, de la même manière dont elles se sont données, pour que, au niveau national, nous rendons gloire à l'Éternel, que chacune se donne au niveau de son église locale. Parce que cette fête, c'est au niveau des églises locales. Et après, il y aura une action de grâce au niveau des sous-régions, au niveau des régions, que chacune encore se donne. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Notre souhait est que le Dieu fort et puissant qui est là-haut dans les cieux, quand il va abaisser ses regards, qu'il trouve que cette année, chaque femme, chaque servante de Christ s'est donnée pour lui rendre toute la gloire pour ce qu'il fait pour les femmes. Notre souhait est que les femmes jeunes, toutes les tranches d'âge se lèvent et vraiment glorifient le Seigneur parce qu'il est digne de recevoir la louange et l'adoration de notre et des servantes de Christ cette année-là. Donc cette année, nous n'avons pas d'activité, je le répète encore, nous n'avons pas d'activité. Nous avons la seule activité que nous avons, c'est des activités d'action de grâce, de louange et d'adoration toute l'année 2019 pour que notre Père soit dignement glorifié au nom de Jésus. Voilà, c'était là le message de la présidente de l'Association des servantes de Christ du Burkina Faso à l'occasion de la journée nationale de ces femmes. Et puis, ils étaient au total 93 lauréats à avoir reçu le parchemin de fin de formation samedi dernier à l'école publique de Koubri. Après 3 années de formation, la 75e promotion de l'EBK avec le nom de baptême Lumière du Monde se dit apte pour la grande commission de Christ. Le reportage avec les images de Delwende Soré.
Les années se succèdent, mais ne se ressemblent pas pour les pensionnaires de l'école publique de Koubri. Après 3 années de formation, ils sont au total 93 lauréats, hommes et femmes confondus, à avoir reçu leur parchemin de fin d'études. Désormais aptes à assumer les fonctions de serviteurs de Dieu, ils se disent prêts pour la grande commission de Christ. Nous, 75e promotion, sommes conscients que seule la Bible, parole de Dieu, demeure l'unique puissance pouvant sauver le monde, comme le Seigneur l'a déclaré dans Matthieu 28, versets 19 à 20. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous regardons le Seigneur, mais nous avons aussi des visions. Et le Seigneur saura planifier toutes choses pour la gloire de son nom. Il y a les évangélisations, il y a beaucoup de choses à faire, mais nous laissons toutes choses entre les mains de Dieu. Tout ce que le Saint-Esprit nous dira de faire, nous sommes prêts pour son œuvre. Pour le directeur de cette école, le docteur Jefté Sawadogo, ce sont des sentiments de fierté que de voir tant de serviteurs de Dieu formés sur plusieurs modules en rapport avec la parole de Dieu. Au cours de ces 3 années, ces 93 lauréats ont été formés de tout en large sur la parole de Dieu, sur l'ensemble de la Bible, de Genèse à Apocalypse, et en quelque sorte sur la théologie pratique et sur tous ces autres aspects. Et de sorte que nous sommes confiants qu'ils sont très outillés pour aller faire le travail qui les attend. Et le président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso de féliciter les lauréats et de les inviter à sortir des paroles, des slogans et d'aller sur le terrain. Il est bien de salmodier que l'on est la lumière du monde, certes, mais il est mieux de briller afin que le monde soit éclairé par cette lumière, a-t-il dit. Ma promotion, c'était 78. Eh bien, c'était les ambassadeurs. Je suis un ambassadeur et je suis en train de faire mon travail. Et eux, ils disent une seule chose, nous voulons être la lumière du monde. Non seulement bavarder, non seulement prêcher l'évangile, mais que par leur vie, eh bien, que le monde sache qu'ils ne prêchent pas seulement la parole, mais qu'ils vivent. Et que leur lumière vient éclaire les nations. La lumière du Christ en eux eh bien, éclaire la nation et les montre le chemin du ciel. Et c'est formidable. Quand on vit dans les ténèbres, on a besoin de la lumière. Que votre lumière luise. Lumière du monde inspirée de l'évangile selon Matthieu, le chapitre 5 au verset 14. C'est ainsi que se nomme la 75e promotion de l'école publique de Koubri. L'actualité est hors de chez nous. Dans le but de soutenir la diversité de son économie, le Tchad envisage accélérer la modernisation du secteur pastoral à travers le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Le pays s'est doté de 6 nouveaux marchés modernes de bétail et de plusieurs autres infrastructures. Le Tchad veut accélérer la modernisation du secteur pastoral pour soutenir la diversification de son économie. À travers le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, le pays se dote de 6 nouveaux marchés modernes de bétail, 5 nouvelles structures de transformation des produits animaliers et renforce son contrôle qualité de la viande et du lait destinés à l'exportation. Ces marchés à bétail donc, vont permettre à ce que les éleveurs puissent conduire les activités de commercialisation dans de très bonnes conditions, étant donné que dans un marché à bétail, il y a des unités d'appui commercial et il y a également des services vétérinaires sur place avec des activités en appendice. Donc il y a un lazaret pour les risques des animaux qui peuvent tomber malades, donc on doit également savoir les mettre en quarantaine. Donc ce sont des marchés types qui permettent donc de soutenir la faisabilité opérationnelle de la commercialisation. Grâce aux nouvelles structures de commercialisation, le Tchad veut réduire les risques sécuritaires liés à l'exportation du bétail sur pied vers les pays voisins comme le Nigeria et le Cameroun. Mais pour les experts, pour une production de qualité supérieure, le pays doit miser sur la santé animale. Nous sommes dans une logique actuelle où au Tchad,
on construit des industries de transformation des produits animaux, mais la recette qui doit parvenir dans ces unités de transformation des produits animaux attend de nous un cheptel sain, attend de nous un cheptel d'un état d'embonpoint acceptable et qui puisse être concurrentiel sur le marché international. Et dans ces contextes précis, nous devrons maîtriser la question de la santé animale. Et le PRAPS s'investit beaucoup plus dans ce domaine de la santé animale. Pour rappel, au dernier recensement général de l'élevage, le Tchad comptait environ 110 millions de têtes de bétail, mais le pays manque cruellement de structures de transformation des produits pastoraux. Et la Guinée, quant à elle, tente de relever le défi des ODD, objectifs du développement durable. À cet effet, donc, le gouvernement a signé avec la Banque africaine de développement des accords de prêt à hauteur de plusieurs millions de dollars. La Guinée tente de relever les défis des ODD, Objectifs de développement durable. Le gouvernement a récemment signé avec la Banque africaine de développement des accords de prêt de plus de 81 millions de dollars. Ce financement sera destiné au domaine des transports et de l'environnement et devrait aussi permettre de soutenir la résilience agricole. A noter que les pertes de production de maïs notamment sont estimées à près de 40% chaque année. La modernisation de l'agriculture guinéenne, c'est important. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus des jeunes sortant d'université qui se tournent de plus en plus vers l'agriculture. Il faut les encourager en mettant à leur disposition des moyens adéquats, des moyens adaptés pour leur permettre de produire plus. Ces dernières années, l'exécutif guinéen a lancé plusieurs chantiers infrastructurels impliquant le développement des champs miniers agricoles. L'investissement de la Banque africaine de développement favorisera donc la poursuite de ces projets. Financé sur 4 ans, l'aménagement de la route Bokeh-Kebo devrait par exemple contribuer au renforcement de la production, à la réduction du coût du transport et des points de contrôle douanier. Pendant les 10 dernières années, à cause de l'absence des infrastructures routières, et cette production n'a pas impacté positivement le développement du pays. Le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger, financé grâce à ces accords, lui permettra de récupérer 140 000 hectares de terres dégradées dans 8 pays, y compris la Guinée. 209 infrastructures hydrauliques seront également construites. Nous parlons sécurité dans cette édition. Selon les informations des médias étrangers, certaines régions du Rwanda seraient dans l'insécurité. Cependant, le gouvernement rwandais rassure. Selon les communiqués lancés par les pays comme la France, l'Allemagne ou encore le Canada, certains endroits du Rwanda, comme le parc national de Nyungwe, ne sont pas bien sécurisés, d'où les avertissements aux ressortissants de ces pays de ne pas se rendre dans ces lieux. Il faut bien comprendre que quelques-uns de ces avertissements sont basés sur les rumeurs qui ont été propagées par quelques rebelles. Quelquefois, ces rebelles disaient à tort dans les médias étrangers qu'ils contrôlaient quelques localités du Rwanda et que les touristes ne devraient pas s'y rendre. Tout cela était faux. Pour apporter plus de précision à ce problème, le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale a rassemblé tous les diplomates étrangers vivant au Rwanda, après quoi il a répondu aux questions des journalistes. Pour lui, le pays est sécurisé. Tout d'abord, la sécurité au Rwanda est bien assurée. Que tout le monde, le touriste, le Rwandais ou n'importe quelle personne sur le sol rwandais se sente en sécurité, ainsi que ses biens. Depuis 2018, le Rwanda fait l'objet d'une série d'attaques, notamment dans la région du sud-ouest du pays. Selon les autorités rwandaises, l'un des cerveaux de ces attaques a été capturé récemment et sera poursuivi par la justice. Et puis en Algérie, Abdelaziz Bouteflika est parti, mais c'est loin d'être suffisant pour les manifestants qui réclament la fin de tout le système actuel soupçonné de manœuvres en coulisses pour garder la main sur le pouvoir. Une foule importante massée devant la grande poste d'Alger. Une scène qui se répète désormais tous les vendredis depuis bientôt 3 mois dans la capitale algérienne. Les manifestants veulent maintenir la pression sur le pouvoir en place. Abdelaziz Bouteflika est parti, mais c'est loin d'être suffisant pour ces Algériens qui réclament la fin de tout le système actuel, soupçonné de manœuvrer en coulisses pour garder la main. Les manifestants préviennent, la mobilisation ne faiblira pas, y compris durant le mois de jeûne du Ramadan, qui est sur le point de débuter. Dans le cortège, le slogan « Dégage » régulièrement scandé depuis le début de la révolte populaire.
Un message directement adressé aux caciques du régime. Trois noms reviennent régulièrement. Ceux d'Abdelkader Ben Salah, l'ex-chef du Sénat devenu pour trois mois président par intérim, Noureddine Bedoui, le Premier ministre, et le général Ahmed Gaïd Salah, un temps considéré comme un allié des manifestants, mais désormais davantage comme une menace. Tous sont d'anciens fidèles du président Bouteflika, qui a démissionné il y a tout juste un mois, après deux décennies de règne. La transition est en cours en Algérie. Quelle en sera l'issue ? Début de réponse le 4 juillet prochain pour l'élection présidentielle. Ce vendredi et c'est la fin de la semaine et en ce jour, nous méditons les psaumes, le numéro 27. Le psalmiste s'écrit « Louez Dieu car il est bon, sa miséricorde dure à toujours. Nos péchés ou nos mauvaises attitudes n'enlèveront rien en la bonté du Seigneur. Il est bon et c'est sa nature. Il est bon et cette bonté restera pour toujours. » Il est bon et sa bonté se renouvelle envers nous chaque matin. Ainsi s'achève cette semaine que j'ai eu l'occasion de vous présenter. Je vous retrouve très prochainement. Excellente suite de programme sur Canal Vimpera. Excellent week-end à tous.